Pour moi, j'allais juste faire de la vaisselle, donc juste nettoyer, quoi. Et j'allais pas vraiment faire les plateaux pour les monter en chambre, que bah, directement on commence par ça, donc par tout ce qui est les plateaux. Et puis oui, on travaille à la vaisselle, mais c'est pas vraiment tout le temps de la vaisselle, quoi. Franchement, j'apprécie beaucoup l'équipe. Ils sont tous gentils. Dès qu'on a un truc à demander, ils sont là, ils nous montrent, ils nous aident. Ils sont compréhensifs du fait qu'on est étudiant et du coup, on ne connaît pas. Et franchement, tout le monde est très gentil. Ils aiment bien un peu nous mettre dans le bain et pas nous stresser ou nous laisser de côté. Non, directement, ils nous prennent avec eux et nous apprennent bien, quoi. Franchement, oui, c'est une très bonne expérience parce que je ne me rendais pas compte de ce que c'était de travailler dans une cuisine d'hôpital. Je ne pensais pas que c'était aussi dur. Donc, ce qui concerne la cuisine, on travaille à la chaîne, donc on prépare les plateaux, on voit les desserts, les assiettes et tout ça. Ensuite, on va à la vaisselle, donc on lave tout ce qui est sur les plateaux, les bains-maries et tout ça. On me demande de changer généralement, de ne pas faire tout le temps le même. Donc aujourd'hui, par exemple, j'étais au verre assiette, mais si demain je reviens à midi, je ne dois pas faire ça, je dois faire autre chose. Pour ne pas être tout le temps au même job et pouvoir faire autre chose et découvrir autre chose. Tout ce qui est hygiène aussi, c'est vraiment un mouvement où il faut tout le temps tout nettoyer, que ça soit nickel par rapport aux patients qui sont malades et tout ça. Donc. Nettoyer le sol, il faut désinfecter. L'hygiène compte énormément ici. Je trouve que c'est quand même physiquement difficile parce qu'il faut toujours s'abaisser, aller assez physique parce qu'on doit un peu courir partout pour que ça aille assez vite, pour avoir fini à temps et ne pas être juste. Et pour que les patients aient à manger à temps. J'ai postulé, un mois après j'avais déjà des nouvelles et ils m'avaient déjà contactée. Et ils nous demandent les dates qu'on préfère, tout ça. Donc, on peut un peu choisir nos dates. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Si on va dire on part en vacances, on peut prendre avance. Les examens, on peut prendre avant aussi. Donc, c'est ça qui est bien.